Bonjour à tous et à toutes et merci d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous aujourd'hui. Donc, le Centre culturel canadien est très heureux de vous accueillir à cette conversation avec l'une de nos autrices chouchous au Canada et ma bonne amie Kim Thuy. Pour célébrer et pour marquer la sortie de son dernier roman, M-E-M. Et je tiens à remercier la collaboration exceptionnelle des éditions Liana Lévy pour rendre possible cette conversation et également Sophie Joubert, journaliste aux médias Humanité. Merci beaucoup Sophie d'être là. Vous aurez le très grand privilège d'animer cette conversation et d'aller scruter un peu dans les secrets de Kim, qu'elle nous a toujours pas encore dévoilé. Je dis que c'est une autrice chouchou au Canada. On a eu le très grand privilège d'accueillir Kim Thuy il y a plusieurs années, plus de 30 ans. Kim nous est arrivée du Vietnam. Nous l'avons d'abord accueillie avec sa famille comme réfugiée et elle est devenue rapidement citoyenne et grande citoyenne canadienne. Alors, Kim, moi, j'ai eu accès à Kim d'abord en mangeant sa gastronomie parce que Kim, elle a été, entre autres, restauratrice. Elle a publié de nombreuses recettes. Ensuite, bien sûr, j'ai le plaisir de me délecter de ses romans. La seule chose, Kim, le seul service auquel je n'ai pas fait appel à toi, c'est à titre d'avocate, parce que Kim est aussi avocate et a d'abord étudié en traduction. Donc, traductrice, avocate, restauratrice, autrice, et là, j'ai le goût de vous dire qu'elle est une très grande ambassadrice du Canada et surtout, une grande ambassadrice pour le bien vivre ensemble qui nous rassemble au Canada. Donc, je vous laisse Kim et Sophie pour cette conversation, quoique je vais vous regarder et je vais vous écouter. J'ai eu le très grand bonheur de lire M. Ces deux petites lettres, ce court mot, on en saura certainement plus sur la définition de ce court mot. Alors, à vous deux, mesdames, bonne conversation et à nous tous et à nous toutes également, bonne conversation. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, et bonjour à vous, Kim Thuy. Merci d'être avec nous pour cette discussion à distance organisée par le Centre culturel canadien à l'occasion de la parution en France de votre nouveau livre, M. aux éditions Liana Lévy, quelques mois après la parution au Canada, aux éditions Libre Expression. Voilà, j'ai la chance d'avoir les deux exemplaires avec moi. Alors, il s'agit de votre quatrième roman, après Rue, qui a été un best-seller international, traduit en de nombreuses langues. Ensuite, vous avez écrit Man et Vie. Vous avez aussi écrit d'autres livres, notamment des livres de recettes, des livres pour la jeunesse. Alors, dans ce nouveau récit, roman, on va voir avec vous quelle définition, dans quelle catégorie on peut le classer. Vous vous confrontez à la guerre du Vietnam en naviguant entre la grande histoire et des destins individuels, en vous intéressant à des histoires d'amour et puis plus particulièrement à l'histoire des enfants métis et orphelins. Alors, d'une part, nés d'une mère vietnamienne et d'un père colon français pour la première génération, et puis ensuite à des enfants nés d'une mère vietnamienne et d'un père soldat américain. Alors, très simplement, pour commencer, le titre de ce livre, M, c'est encore une fois un mot vietnamien. Que signifie-t-il et pourquoi l'avez-vous choisi? Puisque en vietnamien, on n'a pas de pronom personnel. On doit tout de suite se placer par rapport à l'autre pour converser. Et le mot M veut dire qu'on est plus jeune que la personne en face de nous. Alors, et dans une famille, la personne plus jeune aussi se prénomme M. Donc, c'est un mot très doux parce que quand on se prénomme M,
on peut déjà s'attendre à ce que l'autre prenne soin de nous. Et dans un couple, peu importe l'âge de la femme, elle est toujours aime. Et évidemment, la personne qui est plus âgée a le devoir de bienveillance envers la personne la plus jeune. Et donc, ce mot est très doux dans la langue vietnamienne. Ou sinon, on donne une notion de quelque chose de très tendre. Alors que... mais, ceci dit, j'ai nommé ce livre avec... avec l'espoir que tout le monde a entendu le mot « aime » dans le sens du verbe « aimer », mais à l'impératif. Pour quelle raison avez-vous décidé d'aborder de manière assez frontale la guerre du Vietnam, ce que vous n'aviez pas fait précédemment, ou en tout cas pas de manière aussi claire? Je crois que c'est vraiment en ayant eu accès aux différents témoignages. Et je ne pouvais plus passer à côté, si vous voulez. Et les témoignages des soldats vietnamiens, d'abord, du côté des Vietnamiens, comme vous savez, il n'y a pas énormément d'écriture sur les expériences, ou sinon, l'histoire, la grande histoire collective n'a pas été vraiment écrite au Vietnam. Comme vous savez, il y a encore beaucoup de censure, ou sinon, voilà, de limites hein, qu'on ne peut pas franchir au Vietnam. Donc, l'histoire du Vietnam racontée par des Vietnamiens est assez limitée, mais grâce à la technologie aujourd'hui. Toutes ces personnes, tous ces témoins qui ont vécu cette guerre-là de l'intérieur commencent à parler, ou sinon qu'on peut entendre. Et donc, ces soldats qui ont combattu autant dans le nord que dans le sud, ont aujourd'hui 80-90 ans. Et je crois que quand on atteint cet âge, on vit un petit peu en dehors, ou sinon on s'élève au-dessus de la foule et on ose en fait braver les limites et puis la censure et tout ça. Et donc on entend de plus en plus ces voix à travers... voilà, des enregistrements maison ou presque. Et de l'autre côté, évidemment, il y a beaucoup d'archives aux États-Unis qui deviennent également accessibles après 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je n'avais plus le choix d'être lucide. Mais ces témoins, donc vous ne les avez pas rencontrés directement, vous ne leur avez pas parlé directement? J'ai eu la chance de rencontrer une soldate. Il y a eu plusieurs rencontres parce que j'ai eu la chance de travailler au Vietnam pendant quelques années. Et dernièrement, je vous dirais, il y a 5-6 ans, j'ai revu quelqu'un que mes parents avaient rencontré il y a 40 ans. Elle a aujourd'hui 92 ans et elle était une personne très importante dans la structure du nord du Vietnam. Donc, une structure qu'on entendait... à laquelle on n'avait pas accès. Et donc, j'ai eu des histoires racontées par elle, mais de l'intérieur. Mais vous avez vécu les 10 premières années de votre vie au Vietnam. Donc, vous avez vécu la fin de la guerre. Quels souvenirs propres en avez-vous? Vous savez, je suis née en 1968. Donc, en pleine guerre, au moment où la guerre devenait très, très présente au Vietnam. Mais en même temps, j'étais très protégée pendant toutes ces premières années de vie jusqu'en 1975. Et donc, j'ai pris conscience de la guerre vraiment après la fin de la guerre, une fois que le nord et le sud du Vietnam étaient unifiés, parce que j'étais protégée. Et après 1975, mes parents, ou sinon ma famille, ne pouvaient plus me garder à l'intérieur d'une tour d'ivoire. Donc, mes souvenirs du Vietnam, c'était vraiment après la guerre et non pas pendant la guerre. Ceci dit, je vous dis ça, mais on vivait la guerre tellement au quotidien qu'on ne s'en rend plus compte. Le Canada, dernièrement, on a décrété le couvre-feu hein, au Québec et tout ça. Et ma mère a raconté que, comme ça, tout bonnement, parce que je suis confinée avec mes parents, elle m'a dit que quand elle était enceinte de moi, elle était sur le point d'accoucher, elle est allée à l'hôpital plus tôt que nécessaire parce qu'elle disait qu'elle voulait éviter l'heure du couvre-feu. Et là, j'ai dit, oui, mais on laissait les femmes quand même partir à l'hôpital pour accoucher. Puis, elle disait, oui, les militaires te laissent passer, mais il y a le risque des balles perdues.
de se promener après le couvre-feu. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'ai vécu toute ma première partie de vie, les 10 premières années au Vietnam, dans un couvre-feu. Donc, vous voyez, c'est vrai que j'avais pas une mémoire active de, parce qu'il y avait pas non plus de comparatif. Donc, on ne savait pas c'était quoi un pays en paix, en fait. Donc, oui, j'ai vécu mes 10 premières années dans un pays en état de guerre d'abord, et après, je dirais, dans la transition, dans la période transitoire. Et comme on sait, la paix n'arrive pas tout de suite après la guerre. Il faut quand même un certain temps pour que le nouveau régime puisse s'installer. Mais qu'a provoqué en vous le travail de recherche documentaire, donc l'écoute ou de la parole de ces témoins? Je crois que vous avez aussi regardé des documentaires. Hein. Je pense à un documentaire en 10 volets, je crois, de Nick Burns, qui est disponible en France également sur le site d'Arte, dans lequel on entend les conversations entre les présidents américains et leurs conseillers militaires, et on se rend compte à quel point les présidents américains, tous, hein, Kennedy, Johnson, Nixon, étaient extrêmement cyniques, et que c'est ça qui a motivé leur action. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir et d'entendre tout ça? Vous savez, quand on est de l'intérieur, on savait très bien que le Vietnam était seulement un pion sur un grand échiquier de la situation mondiale, qu'on était au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, géographiquement, politiquement, le Vietnam, on savait très bien qu'on était seulement un pion dans ce conflit, dans ce grand conflit mondial, en fait, et non pas seulement le Vietnam, il n'était pas le seul pays impliqué dans cette histoire, même si ça se passait sur son territoire. Même si vous le savez, quand vous entendez vraiment un président qui demande à son général basé au Vietnam de bombarder, même si cette journée-là n'était pas une journée facile pour que les pilotes puissent voir la ville, et il avait besoin de bombarder seulement pour avoir une dans les journaux, pour détourner l'attention. Je ne sais pas comment vous dire. Le deviner ou sinon supposer qu'on est seulement un pion, c'est une chose, mais de l'entendre, on n'a plus le choix, en fait, de regarder la réalité en face et de dire que c'était vraiment... on se pose soudainement pourquoi toute cette guerre? Vous essayez de rationaliser, de voir les étapes et pourquoi on s'est enlisé dans cette guerre pendant aussi longtemps, hein, parce qu'elle a duré quand même presque 20 ans. Et donc, oui, il y a des réalités comme ça. C'est une chose de le penser et c'est une autre chose de se le faire dire, en fait, de se faire confirmer. Vous dites dans le premier chapitre de ce livre, M, qu'au fond, enfin, il n'y a pas... une vérité, mais de multiples vérités. C'est le fil conducteur de ce livre, hein, de dire que ce sont beaucoup de vérités individuelles plutôt qu'une seule vérité avec un grand V. Ben, c'est très difficile, de mon point de vue, de partager la grande vérité. Et j'ai découvert aussi qu'il n'y a pas une seule vérité, parce que la vérité est composée, en fait, de plusieurs voix. Et c'est important d'entendre toutes ces voix-là. Et le seul exemple très court que j'ai proposé, c'est la guerre du Vietnam en Occident. Ou sinon, à l'extérieur du Vietnam, on appelle cette guerre la guerre du Vietnam. Mais quand vous êtes à l'intérieur du Vietnam, on l'appelle la guerre américaine. Vous voyez, puis c'est logique, les deux ont raison. Il n'y a personne qui est dans l'erreur ou qui veut faire de la peine à l'un ou à l'autre. Mais selon notre point de vue, on n'a pas le choix de considérer selon notre propre vision des choses. Et donc, quand on est américain, c'est la guerre du Vietnam. Et je ne m'étais pas rendu compte de cette différence-là jusqu'à, mon Dieu, je vous dirais, il y a 10 ans. Parce que quand je parle en vietnamien,
je le dis en vietnamien, guerre américaine, mais je n'ai pas traduit, vous voyez, entre les deux. C'est seulement pendant les réflexions pour l'écriture et tout ça que j'ai vu que le nom était différent. Et si on le nomme différemment, c'est parce qu'on l'a vécu différemment. Et je trouve aussi que si on parle de ce livre en termes de couleurs, c'est pas un livre qui est en noir et blanc où il y a pas des couleurs contrastées. Il y a vraiment beaucoup de nuances sur une palette de couleurs. Ben oui, parce que l'humain est sophistiqué et complexe. et donc, je crois qu'on a autant du bon que du mauvais en nous. Et le danger, c'est qu'on se croit tous bons ou mauvais. Hein? Dans une guerre, c'est ça, les ennemis croient toujours que l'autre est mauvais et puis nous, on est bons. Et oui, mais chacun avait une raison pour se battre. Malheureusement, ce n'est pas la population ni les soldats qui ont des raisons pour se battre, mais plutôt les leaders des deux côtés qui ont décidé s'il y avait conflit ou pas. Et le plus triste dans tout ça, je vous dirais, c'est qu'on a utilisé l'amour comme instrument pour emmener les gens vers ce conflit. On répétait à tous les soldats de tous les côtés que c'est par amour patriotique qu'on allait sur un champ de bataille. Et donc, on a utilisé, je ne sais pas, j'allais dire, on a instrumentalisé l'amour. Et c'est ça qui est triste également. Il y a beaucoup d'histoires d'amour hein, dans ce livre, d'amour aussi filial. Enfin, voilà, il y a beaucoup de formes d'amour. J'ai lu quelque part que le point de départ de ce livre était une photographie, celle qui représentait un petit garçon de 7 ou 8 ans avec un bébé dans une caisse, qui sont devenus deux des personnages de ce livre. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Enfin, vous savez, Quand on écrit, c'est parce qu'on a ramassé plein de petites histoires dans la tête et puis il y a eu un déclic avec cette photo. Par pur hasard, je suis tombée sur un article qui parlait de cette petite fille qui avait été adoptée par les Américains, par une famille américaine, et elle est devenue même une haut gradée dans l'armée américaine. Et l'article parlait en fait de la réunion entre elle et le photographe de cette photo-là. Et en regardant la photo, je me suis dit, et puis le garçon, qu'est-il arrivé au garçon? Et soudainement, j'étais triste pour le garçon. Je me dis, oh, mais il faut lui donner une vie, il faut lui donner une histoire. Et donc, c'était mon point de départ. En même temps, donc je voulais vraiment écrire une histoire d'amour, tout simplement, entre ces deux petits enfants. Et dans ma tête, je me dis, ils devaient être des orphelins. Et pourquoi ils étaient là et comment elle a pu aller aux États-Unis. Vous voyez, par quelle voie. Et donc, en essayant de raconter l'histoire du parcours de ces deux enfants, ben, je suis tombée sur 1000 autres parcours. Alors, justement, on peut peut-être vous écouter lire le chapitre qui parle de la rencontre entre Louis et M. Hong. Louis, c'est un petit garçon métis, donc né d'une mère vietnamienne et d'un père soldat américain. Et M. Hong, c'est la fille de Tam, qui est, on l'apprendra plus tard, mais qui est elle-même la fille d'un planteur français et d'une combattante de l'armée vietnamienne. Et vous voyez, j'avais besoin de parler de la période française, tout simplement parce que j'ai entendu un témoignage d'une enfant vietnamienne qui avait été adoptée également aux États-Unis. Et pendant toute sa vie, jusqu'à l'âge de 35 ans, 40 ans, elle ne savait pas qu'elle avait des racines vietnamiennes parce que ses parents, je crois qu'ils vivaient en Géorgie, dans une ville qui était très conservatrice. Et pour préserver, pour protéger leur fille contre la discrimination et tout ça, ils avaient caché son identité. Et donc, comment faire comment est-ce qu'elle pouvait être aussi métisse, je vous dirais, pour qu'on ne voit plus la trace? J'ai dit, c'est peut-être parce qu'elle avait été,
métissée, je ne sais pas si ça le dit, à deux reprises. D'où l'histoire de cette petite fille. Donc, je vous lis. Vous m'arrêtez quand vous voulez, hein, parce que je ne lis pas très bien, mais allons-y. Et vous entendez peut-être la pluie de Montréal derrière. Voilà. Alors, Louis et Emham. Au lendemain du départ de Pamela, un bébé est abandonné à côté du sommeil de Louis sous le banc du parc. À l'aube, quand l'une de ses mères l'a réveillé à coups de pied corné pour qu'il aille livrer des cafés, il a vu le bébé. Au retour de la tournée du matin, il a constaté que le bébé n'avait pas bougé. Spontanément, il a volé un carton de nouilles instantanées vide pour pouvoir y déposer le petit être aux cheveux clairs et aux yeux clos. Louis a l'habitude de s'approprier le rôle du Robin des Bois de la famille éphémère, probablement en raison de sa grande taille et de la cape que Pamela lui avait mise sur le qui lui avait mise sur les épaules en guise d'explication du mot « superhero ». Les personnes qui ne possèdent que les vêtements qu'elles ont sur le dos savent devoir et pouvoir s'appuyer les unes sur les autres. Celui qui déchire un fond de sac à main avec une lame de rasoir pour s'emparer du portefeuille peut compter sur la performance de ses frères d'os et de sang qui s'agitent de joie autour de la victime. Celle qui change les devises d'un client contre des dongs vietnamiens compte deux fois le même billet car elle sait que d'autres mains s'apprêtent à tirer sur le pantalon ou sur la chemise de celui-ci. C'est pourquoi la femme nouvellement mère, celle qui vend des Salem, des Lucky Strike et des Winston de contrebande, accepte d'allaiter le bébé que Louis a trouvé. Plus tard, Louis a nourri lui-même la petite de fond de bouillon et de lait condensé, a même la boîte de conserve qu'il rapportait du marché en se faufilant entre voitures et scooters. De temps à autre, il obtient de la marchande de carton usagé une nouvelle boîte qui sert de maison, de chambre et de lit. Une fois, il a piqué un hochet mauve et jaune à une enfant dont la mère distraite était absorbée par une paire de chaussures en lamé or exposées en vitrine. Louis porte son bébé dans le dos à l'aide d'une bande de tissu, tout comme les autres enfants de la famille éphémère portent leurs frères ou leurs sœurs. La nuit, il ferme le dessus de la boîte pour la protéger des rats gourmands en petits orteils. Il est fier d'être celui qui lui a donné le nom de Home, en hommage de ses joues roses tendres malgré la poussière. Le contraste de couleurs entre leur peau attire l'attention des passants, mais n'étonne pas son clan, habitué à l'improbable étant donné que les familles se forment au hasard des circonstances et des sentiments. L'un adopte l'autre en saisissant la main tendue pour se relever d'une chute. On devient tante, nièce, cousin en partageant un point d'eau, un coin de ruelle, un pied de mur. Pendant des mois, Louis a vécu peau à peau avec Emham, jusqu'au jour où, en route vers son orphelinat, Naomi a entendu les pleurs du bébé. Voilà. Merci, Kim Thuy. Est-ce qu'on sait combien d'enfants comme Louis et Em Hong sont nés pendant cette guerre et combien sont ensuite partis aux États-Unis ou ailleurs? Vous voyez, on connaît le nombre d'enfants qui ont été évacués vers les États-Unis, soit presque 3000 enfants, mais on ne connaît pas exactement le nombre de bébés qui sont nés. Et c'est ça la tristesse de la guerre, vous voyez. On va archiver ou sinon comptabiliser le nombre de soldats tombés sur un champ de bataille, de ceux qui en sont blessés. Et ça, je parle pour le côté américain. Le côté vietnamien, on est complètement imprécis sur le nombre de gens même de soldats qui sont tombés. Et on ne compte jamais le nombre de civils. En tout cas au Vietnam, ou sinon de gens qui en ont, même du côté américain, des proches des soldats qui ont souffert eux aussi du traumatisme de leurs proches qui sont tombés ou qui sont blessés.
par cette guerre. Et donc, même voilà, pendant une guerre, on croit qu'il n'y a que des morts ou des blessés, mais en fait, il y a aussi la vie, il y a aussi la naissance de tous ces enfants innocents. Hein, ils sont nés également innocents, même s'ils viennent d'un conflit. Et on n'a pas de compte. Et c'est ça qui est très triste. Donc, je crois qu'on ne réussit jamais à mesurer vraiment l'impact d'une guerre. Quand il y a un soldat qui tombe, ce n'est pas que lui. C'est au moins une autre personne dans sa famille, que ce soit un père, une mère, un frère, une sœur, un cousin, ou sinon sa communauté, hein, son clan, son pays. Et je crois que, ben, enfin, j'essaie avec ce livre de parler de tous ceux qui ont reçu cet impact, mais qui ne se retrouveront jamais dans un livre d'histoire. Voilà, et un impact qui peut durer sur plusieurs générations et qui s'étend sur plusieurs continents. C'est ce qu'on voit bien aussi avec ce livre. Ben, vous voyez, avec les herbicides, avec l'épandage des herbicides sur le Vietnam, on voit encore l'effet de ces herbicides aujourd'hui au Vietnam. Il y a des orphelinats qui ont été ouverts précisément pour ces enfants qui sont nés avec des malformations directement reliées aux herbicides. On entend beaucoup l'agent orange, mais il n'y a pas eu que l'agent orange. Il y a vraiment eu plusieurs herbicides et chaque herbicide avait une fonction précise. Vous voyez, au début, c'était voilà, pour seulement enlever les feuilles des arbres et découvrir les ennemis cachés dans la forêt. Mais évidemment, étant résilients, vous voyez, les humains, nous sommes extrêmement résilients. Donc, le côté vietnamien, ils ont trouvé un moyen pour se cacher, c'est-à-dire creuser des tunnels. Et donc, les bombes continuaient à tomber quand même. Donc, au départ, les tunnels étaient creusés, par exemple, à 3-4 mètres et ils ne pouvaient pas se protéger à cette hauteur, donc à cette profondeur. Donc, il y a des tunnels qui sont creusés à 9 mètres de profondeur. Et donc, ils continuaient à exister. Et donc, du côté des Américains, on a inventé une autre herbicide pour tuer le riz. Hein, et pour enlever l'aliment qui gardait les gens en vie. Et des deux côtés, vous voyez, le génie humain de dire « Ah, mais comment faire pour tuer le riz qui poussait dans l'eau, en fait, il faut beaucoup d'eau. » Et donc, l'herbicide avait le rôle d'assécher le sol et non plus brûler les pousses de riz. C'est extraordinaire. Donc, il y a eu plein d'étapes comme ça avec l'invention des différentes herbicides. Et donc, les forêts vietnamiennes subissent encore, ils reviennent tranquillement, mais les humains continuent à illustrer ces traces de la guerre. Vous parliez à l'instant de l'évacuation des enfants orphelins en 1975, donc vous faisiez allusion à l'opération Baby Lift, qui est quelque chose qui, au fond, n'est pas très connu du grand public. Est-ce que vous pouvez dire de quoi il s'agit ? C'est ça. Un mois avant la fin de la guerre, le président Ford a créé cette opération et ils l'ont nommée opération Baby Lift, pour aller chercher des enfants métis américains. Et le message était, voilà, il fallait sortir ces enfants, sinon ils allaient être le visage de l'Amérique devant de nouveaux régimes communistes qui allaient rentrer et qu'ils allaient être les souffre-douleurs. Donc, le premier avion qui a été envoyé pour l'évacuation, c'était un avion militaire. Et donc, il y avait très peu de places. Je crois qu'il y avait 75 places ou 76 places pour les passagers assis. Mais le reste, vous voyez, le ventre de l'avion était utilisé plutôt pour le transport des jeeps, des chars d'assaut, des armes. Et donc, les enfants, quand ils sont allés, ils sont installés dans l'avion, il n'y avait pas assez de place assise. Donc, ils étaient mis dans des boîtes de carton, ceinturés
directement sur le plancher du ventre de l'avion. Et malheureusement, ce premier avion a eu un bris mécanique. Il a explosé dès l'envol, en fait. Et donc, la moitié des passagers ont été tués pendant le crash. Et l'histoire qui m'a marquée aussi, c'est d'entendre un des soldats qui était présent, qui devait aller secourir les survivants. Il disait que quand il est arrivé sur la scène, dans cette rizière-là, à côté des débris de l'avion et des corps, il a ramassé un bébé dont il était certain que ce bébé était vivant, parce qu'il ne voyait aucune blessure, aucune égratignure. Et au moment où il a soulevé le bébé, il disait que, encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, il se souvient encore de la sensation de toucher le corps de ce bébé qui ressemblait à un sac de billes, parce que tous les os étaient cassés par la pression, ou je ne sais pas trop comment. Et il a encore cette sensation, cette mémoire tactile de ce corps de bébé. Et l'autre témoignage qui m'a aussi beaucoup secouée, je vous dirais, c'est une des bébés secourues a retrouvé une des personnes responsables de l'opération Babylift aux États-Unis, et elle a ouvert la conversation en disant « Je voulais vous retrouver pour vous remercier. Grâce à vous, je vis aujourd'hui en Australie et tout ça. » Et la personne lui a dit « Non, il ne faut pas me remercier parce que mon but n'était pas de vous sauver. C'était une opération d'image. » Et il disait « Autrement, on n'aurait pas envoyé un avion militaire. On aurait envoyé un avion commercial. » Et il disait « Mais vous savez, il n'y avait pas de raison pour nous de sauver des enfants, et il disait en anglais, because you are children of dust. Et c'est une traduction directe du vietnamien, où on appelait beaucoup les personnes qui vivaient sans abri ou qui défavorisées, poussière de vie en vietnamien, bùi đời. Et ça m'a tellement, et je me suis poser la question pourquoi pendant mes 50 premières années de vie, j'avais cru ce message. Vous voyez que c'était pour, c'était une opération de sauvetage, alors que ce n'était pas du tout l'intention de départ. Évidemment, je ne parle pas du résultat final. Je crois que peut-être que ces enfants ont une chance, une autre vie différente que celle qu'ils auraient vécue au Vietnam. Mais l'intention de base, et j'étais fâchée contre moi d'avoir été paresseuse, de ne pas être allée chercher les coulisses, en fait, les discours dans les coulisses des décisions. Comment avez-vous trouvé la forme de ce livre ? C'est un livre qui est composé de fragments, c'est un livre qui est extrêmement dense et qui est, alors, comme toujours dans vos livres, mais... votre écriture est très proche des sensations et vous avez une manière de faire, on pourrait dire, comme des effets de loupe, en fait. Je pense par exemple à la scène qui est assez connue de l'immolation du rose à Saigon. Et vous, c'est comme si vous mettiez la caméra parmi la foule, sur les mains des petits voleurs qui font les poches des gens qui assistent à l'immolation du rose. Voilà, ça c'est représentatif, je trouve, de votre manière de faire. Je crois que, de taille, je suis vraiment petite. Donc, je pense que je vois vraiment au niveau humain, vraiment de taille humaine, si vous voulez, la vie en général. Et j'ai une vision très tunnel. Je ne vois pas, j'ai de la difficulté à voir comme on dit en anglais, the big picture, avec perspective. Je crois que je suis très limitée dans la façon que je regarde les choses. Et en même temps, je crois que la grande histoire est faite des petites histoires. Une société est faite de citoyens, de chaque humain. On contribue ensemble pour en faire une société. Donc, il faut parler de... Oui, il y a le travail des historiens, des sociologues qui parlent de l'histoire collective.
de nous en tant que groupe. Mais moi, en tant que citoyenne, ou sinon en tant qu'humain, j'essaie de vraiment raconter nos histoires, les petites histoires de chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'une société est de telle couleur et non pas de telle autre? C'est parce qu'à la base, qui sont ces humains-là? Pourquoi nous sommes là où nous sommes, en fait? Comme je dis souvent, je crois que la preuve que le Canada est un pays qui est libre, ou sinon qui encourage l'audace, c'est l'existence du droit de la faillite. Vous voyez, le droit de la faillite, c'est un droit qui nous encourage à essayer à nous encourager, oui, même à chuter, de dire « nous sommes là si jamais vous échouez ». Et on va vous aider, pas seulement de vous relever, mais aussi adoucir la chute. Et ça, il faut que ce soit une société très riche et en paix pour avoir un droit de la faillite. Vous voyez, dans un pays de guerre, il n'y a pas de droit de la faillite. Je sais que ce n'est pas très, c'est peut-être pas très sexy. Hein, Madame l'ambassadrice Isabelle va me dire, non mais Kim, tu peux donner d'autres exemples que le droit de la faillite. Mais on sous-estime en fait ces petits éléments de la structure d'une société qui révèle énormément qui nous sommes. Et on a aussi le sentiment en lisant ce livre qu'au fond, tout est dans tout, tout est lié. C'est-à-dire que vous arrivez à faire tenir ensemble des éléments qui, de l'extérieur, pourraient paraître très étrangers les uns aux autres. Je pense par exemple à l'histoire des manucures vietnamiennes. Voilà, vous arrivez à faire tenir tout ça ensemble. Oui, mais parce que tout est dans tout, comme on dit en bon québécois. Et en fait, cette histoire-là, je voulais raconter que parfois, on croit que le don, ou sinon l'aide, doit être un grand geste, hein, un gros chèque, ou sinon un gros projet. Mais parfois, on peut vraiment offrir un tout petit geste de bonté, de bienveillance, et l'effet que ça provoque est inestimable. On ne pouvait pas imaginer qu'une actrice un moment comme ça d'attachement pour les Vietnamiens parce qu'elle avait déjà tourné au Vietnam, Tippi Hedren. Oui, d'aller visiter. C'était seulement une visite pour elle d'aller voir les réfugiés vietnamiens en Californie quand on venait d'arriver dans les années 75. Et là, il a suffi d'un compliment d'une autre réfugiée qui disait « Ah, mais vous avez un vernis parfait ». Et à partir de là, l'idée de donner une formation et que cette formation-là, aujourd'hui, crée une industrie de 10 milliards de dollars. C'est impensable. Et en une génération, hein, ou bon, deux peut-être, en 40 ans, personne ne pouvait prévoir cet impact. Donc, je voulais raconter cette histoire pour dire qu'il ne faut pas hésiter à tendre la main, même si on croit que le geste est tout petit, l'effet au bout est incroyable. Je parlais tout à l'heure de la densité de vos livres et particulièrement de celui-là. Est-ce que vous coupez beaucoup quand vous écrivez? Est-ce que vous écrivez plus touffu que ça et ensuite vous coupez? Oui. Je vous dirais que chaque paragraphe que vous avez, il y a eu au moins, je ne sais pas, 3 pages ou 4 pages. Et puis, même à 24 heures de l'envoi vers chez l'imprimeur, j'ai coupé le tiers du livre. Parce que, oui, sur les 30 000 quelques mots, j'ai coupé 10 000 mots. Donc, j'ai rouvert le livre. Et comme vous savez, si on coupe le tiers du livre, il faut presque refaire le livre ou sinon réécrire le livre. Et ça, je le dois vraiment à mes éditrices parisiennes qui avaient lu le manuscrit. Et un commentaire tout simple, elle dit « Ah Kim, c'est drôle, t'as écrit sur 30 pages ce que tu fais normalement sur 10 pages. » Et je me suis relue et je me suis dit « Oh, mais elles ont raison, j'ai pas assez coupé en fait, j'ai pas assez travaillé. »
peut-être pas coupé, mais travaillé. Et du coup, le livre, il est redevenu comme les autres livres, c'est-à-dire très court. Est-ce que c'est l'intention? Je crois pas. C'est pas parce que je veux écrire court. Je rêve un jour de pouvoir écrire un livre de 1000 pages avec 10 tomes et tout ça. Mais je crois que ma langue à moi est brève. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas une influence de la langue vietnamienne, qui est une langue monosyllabique, elle m'aide beaucoup à être dans la concision, sinon dans la précision, quand j'écris en français. Mais d'ailleurs, au sujet de la langue vietnamienne, il y a un chapitre dans lequel vous montrez comment la langue française, comment certains mots français se sont transformés en mots vietnamiens. Oui, et on oublie aussi, vous savez, même en tant que Vietnamien, très souvent, on ne se pose pas la question d'où vient un mot, parce que c'est rentré dans le quotidien. En fait, donc, la radio a été apportée, je crois, par la France. Donc, radio est restée. Parce que c'est une langue monosyllabique, on n'est pas très habitué à faire des longs mots. Donc, radio devient radio, vous voyez? Le guidon, c'est encore le guidon d'une bicyclette. Et dans le Nord, la fourchette, c'est fourcette. Et ça, vous savez tout de suite, dès que vous entendez un mot avec deux sons, vous savez que c'est un mot étranger à la langue vietnamienne. Et dans le sud du Vietnam, on n'utilise pas du tout le mot fourchette, mais plutôt nier, qui est juste un son. Et dans le Nord, on a continué à utiliser vraiment le mot d'origine française. Donc, il y a énormément dans le quotidien. Alors beurre, c'est bas, ça vient, donc on sait que si aujourd'hui on a du gras, c'est la France. Et fromage, c'est fromage, hein. Fromage, c'est encore fromage. Et puisqu'on parle de denrées alimentaires, vous qui êtes une grande cuisinière, vous donnez votre recette du feu et vous dites qu'au Vietnam, on ne le prépare pas chez soi, on va le manger dans la rue en fait. Parce qu'il y en a partout. Et puis un feu, vous savez, il faut tellement d'heures de cuisson. Et c'est une cuisson lente. Et je crois, je ne sais pas, j'ai jamais posé la question, il faudrait que je fasse la recherche, mais je crois que les kiosques qui vendent les feux, ils ne lavent jamais le pot dans lequel ils font les marmites. Et c'est ça qui garde le goût, vous voyez, avec le temps, après 10 ans, après 20 ans, ça fait partie de la marmite. Et aussi, parce qu'au Vietnam, on a la tradition de ne vendre qu'un seul plat, ou presque une seule spécialité par kiosque. Et donc, la personne qui le fait est nécessairement un expert. Un peu comme Michael Gladwell qui a écrit qu'on devient champion si on fait le même geste 10 000 fois ou 10 000 heures. Et ben voilà, au Vietnam, chaque kiosque, très souvent, vend le même plat pendant, 10 ans, 20 ans, sur 2-3 générations. Donc, il faut juste trouver celui qui nous plaît. La couverture du livre montre un fil. Alors, on le voit mieux sur l'édition canadienne que sur l'édition française parce que c'est un vrai fil. C'est une image qui a été peinte par le peintre canadien Louis Boudreau, c'est ça ? Oui, oui, oui. À quoi correspond ce fil ? Est-ce que c'est le fil, au fond, qui relie tous ces personnages ? Oui, c'est le fil qui relie tous les personnages, mais les fils aussi qui ne sont pas rattachés. Je vous dirais, pour moi, ça, c'était important. Et sur le tableau, le vrai tableau que Louis a créé, les fils pendent, vous voyez. Et on aime croire qu'il y a toujours une fin, que la vie est parfaite. Mais très souvent, la vie est imparfaite et qu'on n'a pas toujours la fin de l'histoire, comme l'histoire de ce Louis. De ce petit bébé, pas de Louis, mais du garçon à côté de la boîte. On ne connaît pas la fin de son histoire. Et on doit accepter que, voilà, dans la vie, on ne réussit pas toujours à tout régler et ou à trouver la destination. Je crois que c'était ça l'idée de Louis.
Ceci dit, Louis a créé ce tableau vraiment à partir de l'histoire. Je lui ai raconté l'histoire au départ et à mi-chemin, il a lu l'histoire. Il est rentré dans le texte et donc la conception du tableau est très, très proche du livre. Et à l'inverse, je vous dirais, j'avais la chance d'avoir le tableau derrière moi pendant la deuxième moitié de la rédaction. Et ce tableau-là a également beaucoup influencé mon écriture. D'accord, donc c'est vraiment un aller-retour entre le texte et l'image. Ouais, il y a eu une relation d'osmose, je vous dirais, entre Louis et moi. Louis n'était pas présent, mais son tableau. Voilà, et on voit aussi la boîte en carton qui fait référence au bébé trouvé dans la boîte. Oui, je veux juste préciser que non, la broderie de fil que vous avez, vraiment, je l'ai fait à la main. Pas pour tous les livres, hein. On a réussi à coudre en tout, peut-être 5 000 maintenant. Seulement. Et ma maman et moi, on a travaillé ensemble et c'est quand même long. C'est assez ardu. On a les doigts, l'index embarque un petit peu sur le majeur maintenant parce qu'on doit tenir l'aiguille. Et après tous ces livres, on commence à avoir les doigts tournés. Merci beaucoup, Kim Thuy. On va s'arrêter sur la couverture de ce livre. Donc, je rappelle que M vient de paraître début mars en France aux éditions Liana Levy et puis au Canada, il est disponible chez Libre Expression. Merci beaucoup pour cette discussion et merci à toutes les personnes qui travaillent au Centre culturel canadien pour l'avoir organisé, l'avoir rendu possible. Merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'être à la maison, en fait, avec le Centre canadien à Paris.